Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle comme ça, moi je suis super bien et on se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour la suite de Tomb Raider. Ça va? Pourquoi elle panique comme ça? Oh! Un lapin! Saloperie de lapin, reviens ici! Tu contiens de la bouffe! C'est gentil d'être juste à côté du feu de camp, comme ça. Non, je voulais... C'est bon, je m'en fous de ce qu'elle avait à dire, Lara. J'ai tout loupé, mais bon, attendez voir. Bah tiens, je peux améliorer un point de compétence. Course d'orientation, c'est quoi? Ok... Ça, je m'en fous un peu. Éliminez vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. À la suite, c'est quoi? Expert en arc. Wow. Ok, on va y aller pour tueur accompli déjà. Ok. Ça me va. Waouh. Je suis coiffé vraiment comme une merde aujourd'hui. Ah, comme tous les jours, hein, je vous dirais, mais encore plus que d'habitude. Bon alors tes larmes ne me ramèneront pas Lara, c'est ce que j'ai eu le temps de lire, et puis en fait comme je voulais le lapin, bah j'ai un peu annulé le truc. Voilà. Il y avait une caisse hein dans le coin ouais. Putain mais c'est le paradis des lapins ici. Saloperie de bestiole va. Je te laisse en vie pour cette fois. T'as de la chance. Ouais, instinct de survie, cul, c'est bon, hein, je sais où je dois aller. Par là. Je veux dire, c'est le seul chemin dispo. Vous trouvez quelque chose? Non, c'est trop sombre. Ils peuvent être n'importe où. T'es sûr qu'ils sont là? Je pourrais grimper en haut d'un arbre. Moi aussi jeté. Eh oh! C'est quoi ce bordel? Non mais ça va, je me fais attaquer par les loups en plus! Alors, je me fais attaquer par les loups, plus les... Magnifique. On y retourne, hein. Non, c'est trop sombre. Ils peuvent être n'importe où. T'es sûr qu'ils sont là? Je pourrais grimper en haut d'un arbre et attendre. Des putains qui sont géniales. Hey, il tient longtemps mon instinct de survie là. Montrez-vous! Rendez-vous avant que les loups vous trouvent! Toi, je vais venir te chercher. Ça fait du bien. Avant, j'ai eu les loups et tout le bordel qui m'ont attaqué, donc on va rester un peu discret, quoi. Enfin, au mieux. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ça change rien. C'est quoi ça? Défi débloqué, ok. Rien. Y'a personne derrière moi au moins. Vous savez que je commence à flipper? Non mais pour de vrai hein. Non, rien.
m'étonnerait qu'on trouve quelqu'un là-haut. Il n'y a rien du tout ici. Promis. Putain, s'il a l'air abruti celui-là. Ramenez les loups. Ouais bon, je vais me faire buter là. Ça va les mecs? Vous vous amusez bien? Loupé. Ah, je sais même pas si je vous tire dessus là, globalement, hein, j'utilise mon réticule de visée rouge. Si. Ah ça, elle sait utiliser son truc de visée rouge, hein. D'abord, il n'y a plus personne. Saloperie de bestiole. Voilà, ça c'est fait. J'ai tué les loups, plus tous les mecs, et puis j'aime pas tuer les loups. Bordel. Chasseur de gros gibier, succès déverrouillé, c'est cool. Bon, c'est un feu de camp ça. Ouais. Magnifique, on va camper un coup. Fusil à pompe moderne. Yeah. Puis je peux améliorer des trucs. Non, les tenues c'est bon. Je peux améliorer le fusil à pompe. Ouais, on va améliorer, on va prendre... Putain. Cool. Merci. Ah, continuez du coup. Je peux aller dans ce bâtiment là? Ouais bon. C'est vrai. Moi j'ai pas vu qu'il y avait des escaliers, ok, c'est bon. Garde tempête, nous nous trouvons à la veille d'un grand changement. La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume. La colère de notre reine déclenchera la plus puissante des tempêtes et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies. Mais cette victoire ne sera qu'un commencement. À l'aube, quand la lumière de notre reine atteindra l'océan et les terres, et que nous serons touchés par sa grâce, tous nos ennemis brûleront. C'est cool, mais je me suis toujours demandé comment on peut avoir la voix du général en question. Hein? Je veux dire, putain, bordel, ça date quand même, non? Ou alors c'est moi qui... Non, mais il me semble que ça date un petit peu quand même. C'est un tombeau ça. Ah ouais, mais j'ai pas envie. Je suis principalement la l'histoire, la trame principale. Yeah. Boum. Me voilà. Waouh, mais c'est dégueulasse. Fais un peu de lumière Lara. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est bien. Qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans? Des matériaux. C'est déjà bien. C'est parti de l'équipe envoyée au monastère. La vie brade aussi de la mort. Sans déconner. T'as vu des onis? J'ai pas envie d'en parler. Sérieusement. Quoi? J'ai besoin de renfort. Mais merde! Comment tu m'as vu, mec? Oh putain! Ah putain! Je suis en train de me faire bouffer! Merde! Ah non! C'est bon! Crève! Ah merde! Je sais pas comment je me suis fait repérer là! J'ai pas compris! Je veux dire, il y a deux secondes, ils causaient tout simplement entre eux et puis attendez! Ça veut dire que je dois à nouveau aller récupérer le journal et tout le bordel là! Non, c'est bon. Par contre, j'entends une poule dans le coin.
Vous savez ce que ça veut dire. Crève, putain de loup. J'aime pas vous tuer. T'es où, enfoiré? Attendez. Bon, là, je suis un peu trop loin pour qu'ils arrivent à me toucher, quand même. Tiens. Un peu de médecine pour toi. Et encore un peu. Ça te fait du bien. Ouais, bon, avant j'étais un peu trop près d'eux en fait. Normalement il y a un petit layout, genre vous avez une petite couverture où vous pouvez vous mettre en attendant. Puis pourquoi les loups ils attaquent que moi en fait? C'est des loups sauvages quand même, hein. Bordel. C'est pas des loups dressés, ils devraient attaquer les autres aussi. Vas-y. Putain, le clic du milieu. Le clic du milieu chez moi est quasiment foutu. Ma souris c'est ça quoi, je veux dire. Regardez-moi ça! Elle est à moitié foutue cette souris. Bon, elle change pour une vraie souris, hein, de ces jours. Mais bon, c'est pas dans mes achats principaux en fait. C'est pas dans ma liste d'achats à faire tout de suite. Sinon, j'avais pris l'habitude de vous poser une question à chaque fois dans chaque vidéo, mais je sais pas trop quelle question poser sur ce coup-là. Des loups. Ouais, des loups. Comme ceux de la forêt. Allez, mec. De au revoir. Au revoir. Parce que je sens que si je vous tue pas maintenant, vous allez vous relâcher derrière moi. Et j'ai des récompenses pour tir à la tête, tout le bordel, ouais. On va y croire. Y'en a d'autres? Oh, tu veux te battre. Toi aussi, tu voulais te battre, c'est bien. Bon. Excusez-moi pour tous les défenseurs des animaux, mais voilà, je sais que si je les tuais pas, ceux-là, j'allais m'en prendre plein la gueule. C'est quoi ça? Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là? Allez, balance-toi, ma vieille. Boum. Magnifique. Et maintenant. Oh, attendez voir. Je crois que je vois un début de pattern là, mais ah. Peut-être que je monte là. Ah ouais. Boum. Ensuite, faut que je balance la biche là, de côté. Ou quoi que ce soit. Je boum. Merci. Bon, ça, c'était pas une énigme trop dure. J'y ai pas passé trop de temps pour une fois. En fait, j'aurais pas dû tuer les loups. Ils m'auraient sans doute pas fait chier. Ah, je peux enflammer ça? Boum. Trop gentil. Merci. En fait, c'est ce genre de truc que tu te demandes pourquoi c'est là après que t'aies obtenu la torche, en fait. Parce que, est-ce qu'il y a un moyen de la louper? Je crois pas, hein. Il me semble que c'était pas mal dans l'histoire principale qu'on a obtenu ça. Yeah. Wow, on se rattrape là, et on remonte. Non mais, oh, on remonte, j'ai dit. On remonte. On remonte, putain de caméra de... La caméra me fait chier, là. Quand même. Bon, on va garder la torche, hein. Ça peut être utile. Déjà pour vous, parce que la luminosité est plus sombre sur YouTube. Même si je la pousse pas mal quand même avant de sortir la vidéo.
D'ailleurs, j'ai pris pas mal d'avance dans le pour faire mes vidéos parce que si je vous dis qu'on est le 24 août en ce moment, vous me croyez? Ouais, je les ai tournés bien à l'avance en fait parce que bah vu que je bosse à côté, il faut que je prenne un petit peu d'avance quand même. On va aller par là, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Peut-être un repère de loup. Rien du tout, non? Ok. C'est juste une petite salle designée comme ça. Ça marche. Normalement, ces racines, elles auraient dû prendre feu, là. Ouah, on est de nouveau à l'extérieur, il fait beau. Ah putain, le soleil s'est levé entre deux. Il me semblait que c'était pas mal la nuit, quand même, hein. Ok, je dois aller là-bas. Boum. Reçois Lara. Oui, Alex, je te reçois. J'essaye de vous joindre depuis ce matin. On vient de regagner la plage. Le bateau est dans un sale état. Sans les bons outils, on aura du mal à le remettre en marche. On va avoir besoin d'un coup de main ici. Vois ce que tu peux faire. J'arrive. Fais bien attention à toi. Alors, on va faire ça. Ouais! J'adore comment elle est tarée, quoi. Qu'est-ce qui lui dit que cette corde va tenir? À part la mécanique évidente du jeu vidéo. Allez, allons-y. Putain, comment elle te fait ça, quoi? Easy peasy, hein. Aucun souci. Je suppose qu'il faut que je prenne le... Je crois que c'est shift pour descendre. J'ai tellement galéré la première fois. Ouf. Je prends ça, merci. Bon, sachant que je peux plus bouger. Ah, si. Lieu actuel, nacelle de transport. Heureusement que le jeu me le dit, hein, parce que sinon, je l'aurais pas su. Merci là, le jeu. Là, Alex nous a dit que tu étais en route. Je vais pas tarder. Alex nous a dit que les graphistes avaient fait une pause. Vu les décors. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est à l'origine des tempêtes. Cette chose qui nous empêche de quitter l'île. C'est au monastère que je la trouverai. Tu es sûr? Oui, Sam. J'ai besoin que tu n'en parles à personne pour le moment. Je vais aider. Ok, les... allez, hé, les mecs, Lara, elle a trouvé l'origine des tempêtes. Lara, Sam. C'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance. C'est la seule solution. D'accord, sois prudente. Bon, en même temps, là, je suis sur ma petite nacelle, je suis tranquille, hein. Putain, c'est brumeux dans le coin, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, là? On est passé à Londres, tout d'un coup? Ou pire, dans le canton de Fribourg? Seuls les Suisses comprendront cette référence à la con. Parce que putain, le canton de Fribourg, pour ça... Laissez-moi deviner, il y a des mecs ici. C'est pas vrai. J'en étais sûr. Non, y a pas de mec ici. Du coup, est-ce que je peux sauter jusque là-bas? J'y crois pas du tout, hein. Attendez voir. Ouais. Ouais, t'es sûr. Mais là aussi, comment elle peut savoir que la corde va tenir, hein? Est-ce qu'il y a une autre corde que je pourrais accrocher? Ou une échelle, là? Les échelles, je sais bien. Bordel, je commençais à avoir du mal à parler, moi aussi. Puis comme ça, à faire 20 minutes, on va s'arrêter avant que le prochain combat y démarre, parce que ça, c'est l'anti-sauvegarde du cru, quoi. Magnifique. C'est trop calme. C'est bien ce que je disais. Et quand c'est trop calme, ça veut dire qu'il va y avoir un combat bientôt. C'est un bidon que je vois là-bas? Bon. Quelqu'un a réagi là en bas? Non? Ok, j'aime pas ça, mais bon. On va sauvegarder, hein. Oui, 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 je veux que tu sauvegardes. Et puis on en est à combien du coup? Toujours à 43%. Ok. Donc voilà! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. N'oubliez pas de laisser des j'aime, de commenter, de vous abonner, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. Voilà. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc restez classe les gens. Allez, c'était Nasband pour vous servir. Bye. Je peux sauter en utilité. Ouais. Bon, super furtif, hein. Non. J'aimerais plutôt l'arc elfique, s'il vous plaît. Bon, il est où, monsieur con, qui s'était idée la dernière fois, là? Il est mort? Il s'est pris dans le piège à loup, mais... Mon dieu.
Mon dieu, mais quel abruti! Non, arrêtez, pitié! Clac! Eh ben. Si j'avais su qu'il suffisait de faire ça pour tuer les mecs. N'empêche, ça, c'est le bidon que j'ai viré, quoi.